La gravure, c'est par excellence un art du dévoilement et de la révélation. Il y a un moment où la matrice va révéler tout son mystère, et là, forcément, il y a un temps d'émerveillement. Et c'est bon de s'émerveiller. Je crois que c'est pour ça que j'aime la gravure. J'ai voulu rendre hommage à Sylvia Plath, car j'ai reconnu chez elle la détresse délirante qui terrassait les jeunes filles sous cloche de la classe moyenne dans les années 50. Elle s'était empêchée, par les diktats sociaux, d'exprimer leur créativité artistique et poétique. En tant que plasticienne, l'eau forte est la technique qui m'a aidée à donner le temps, le kairos, au temps compté, le chronos. Les gravures que j'ai créées pour l'exposition PhilArt sont le produit d'un exercice que je me suis imposé, qui consistait à représenter des figures diaboliques en utilisant pour chacune d'elles une technique différente. La série de gravures que je présente à PhilArt est issue d'un carnet de dessins de recherche autour d'archétypes féminins qui explorent l'étrangeté et une certaine idée de la femme sauvage au sens non domestiqué.